Bonjour, bon matin. Donc, c'est moi qui est avec vous aujourd'hui. Sylvie est partie faire un cours de couture à Montebello avec sa gang de filles. Donc, c'est moi qui prends sa place aujourd'hui. On a deux beaux kits là, à vous présenter. Donc, déjà, pour avoir un salarial, un châle de Lucie Paquet. Donc, que vous commencez maintenant à connaître, là, beaucoup de voix à Fibre 2, et puis elle a donc un patron à l'intérieur de ce magazine. Et puis, on a un cardigan qui est vraiment là, un coup de cœur, vraiment beau, en Nueva. Donc, un petit bout qu'on ne vous avait pas présenté, un projet en Nueva. C'est Lise qui va venir tantôt faire le mannequin, parce que c'était peut-être moins... Ça va être plus, plus vendeur que moi. Mais il va très bien d'ailleurs. Super. Oui. Toi, tu m'as. T'es-tu dans l'écran? Oui. T'es correct, parfait. Donc, j'ai Lise qui prend ma place aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, elle va essayer de répondre ou elle va me transmettre tout ça. Parce que là, j'ai éloigné la caméra. Parce que bon, on a une différence de hauteur. Puis je voulais que. C'est voir le cardigan comme il faut. Non, mais tout le monde est là. Oui, parfait. Fait que je vous montre un petit peu en même temps. Je montrais ça ce matin. J'ai commencé, donc je suis allé à une retraite de Pointe-Croix. C'était vraiment un super événement. Donc, organisé par Evertote. C'était en Printon, Ontario. Et puis, vraiment, j'en reviens toujours comme inspiré. J'ai eu des gros projets, évidemment. Des choses de Canva. Puis si jamais, je pourrais vous montrer une autre fois, j'ai une des petits vendeurs sur place, puis il y en a une qui m'a dit qu'elle allait être présente au Twist Texture Treasure, puis si vous allez voir ce qu'elle fait. Puis même si vous allez au Twist, allez voir ce qu'elle fait, c'est tellement beau, là, j'ai pas pu résister, ça a été mon premier achat après 5 minutes. Mais je vous montre, j'ai commencé à tricoter, donc c'est pour ma belle-sœur qui aime beaucoup Harry Potter. Ben, elle est fan, elle a pu me nommer toutes, là. Moi j'ai la misère. Donc ça vient de ce livre-là, qu'on ne vend pas, mais qu'on peut trouver facilement en ligne, dans les librairies. Donc moi je vais souvent sur librairie Indigo, que j'aime bien. Les prix sont bons aussi. Donc c'est, ils ont beaucoup de, une belle série de livres. Donc ils en ont deux d'Harry Potter, là, on vient d'en acheter un du film de L'étrange de Monsieur Jack, si vous avez des fans de Star Wars, donc ça c'est le fun. Puis ma mère, ce qu'elle leur fait faire, c'est qu'elle a dit « feuillette, dis-moi les projets qui t'intéressent ». Ça fait que ça lui donne des choses à tricoter, qui les intéressent, qui ont envie de porter. Donc, toutes sortes de petits patrons. Là, moi, il y en avait un, c'est plutôt parce que la technique, ça fait longtemps qu'elle m'intéresse. Donc, c'est un foulard. Alors, vous pouvez voir qu'il est assez donc rayé, ordinaire, mais c'est avec un point illusion. Donc, là, je vous montre. Alors, vous voyez qu'il y a une image qui apparaît quand on le penche. Donc, c'est vraiment génial. C'est super simple à faire, c'est vrai, que des mains en droit, que des mains en vert. Il faut seulement donc, bien suivre pour avoir l'effet. Si vous avez envie d'essayer, vous pouvez aller sur Ravelry, écrivez « Illusion ». Puis il y a plein de patrons, des fois juste des petites lingettes que vous pouvez faire. Donc juste si ça vous intéresse d'essayer puis voir ce que ça donne, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment simple. Donc accessible à tous, mains en droit, mains en vert. Donc il faut une alternance de... C'est un jeu de... Donc, c'est du jersey du point mousse, donc comme le châle botanique. Sauf qu'après ça, on vient inverser ce qui va créer le fait qu'il y a une texture. C'est quand même impressionnant. J'ai juste du tricot en plus. Donc, voilà. Je vous présente tout de suite le cardigan. Il est vraiment très beau. D'ailleurs, on va vous montrer le cardigan. On va vous présenter les couleurs après. Donc, Lise. Allô? Donc, c'est le Camellia Cardigan. J'ai oublié le nom de designer, mais... Ah oh, ben, c'est Minimi Knit. Minimi Knit. Que j'adore. Oui, c'est très beau. Donc, on l'a fait en Nueva. Puis, en un brin. Donc, ça va être la chose que je vous dis tout de suite, on va leur mentionner. C'est comme si j'étais nue. Oui. Donc, elle avait tricoté dans le patron, c'est écrit deux brins, mais c'est deux brins de mohair, qui est un fil plus fin. On a fait des chansons, je pense qu'on l'avait testé, celle qui nous l'a tricoté, à deux brins, un brin. C'était vraiment un brin là, qui donnait le bon effet. Donc, ça fait un cardigan mi-saison, fin de soirée d'été aussi. Ben, c'est pas la veste chaude, mais c'est un petit ajout qu'on se rajoute. Moi, j'aime bien, j'en ai une en Nueva aussi. Puis c'est là en brin double. Deux brins. Deux
Deux brins, c'est ça. Ça peut être plus chaud quand même, mais ça. Là, tu disais, oui, apporte une chaleur, ce fil-là, mais pas. C'est pas lourd. C'est pas lourd, c'est tempéré. J'adore. Fait qu'il est vraiment très beau. On va montrer le détail. Ah oui. Donc, c'est moi, une dentelle simple. Mais c'est cute. Puis, je te dis tout de suite, c'est intéressant parce que je suis allé voir un peu le patron. Donc, il se tricote du bas vers le haut. Hein? Je sais pas. Puis, la raison pourquoi, c'est qu'elle dit le point est plus beau dans ce sens-là. Oh. Parce que ça fait comme une petite hache. Sinon, elle aurait été à l'envers. Comment est-ce qu'il s'appelle, Camélia? Camélia. Ben, c'est moi, je peux le porter, là. Peut-être que Sylvie va le garder, mais c'est un échantillon de magasin. Ben, voir Sylvie, donc elle le porte. Sur les photos, elle le porte. Elle porte aussi super bien, là. Ouais, fait que il est si vous avez une manche, petite manche un peu plus ballon. Comment tu appelles ça aussi? C'est droit, ça? C'est pas, elle n'a pas fait des augmentations. C'est droit. Je pense qu'il y a des augmentations après les coupes. Elle augmente. J'aime ça. Regarde, ça, c'est parfait. Donc ça convient bien, là. Donc on parlait de morphologie de plus en plus. Donc ça, souvent, c'était parfait pour ben, donc, le X, c'est bon. La hache, elle peut porter tout. Et c'est bon aussi pour la V. Je suis pas V, je suis pas H, puis je suis pas X. Moi, je suis comme... Ça, t'es là. Mais ça, elle va bien. Parce que c'est sûr que des fois, mais je pense que le fait que le dessus est plus mou, parce que d'habitude, on ne devrait pas avoir autant de volume au manche pour ne pas élargir à ce niveau-là. Mais vu que c'est un tissu souple, je pense qu'on s'en sort bien. Je pense qu'avec certaines couleurs, à ce moment-là, si vous êtes une A, il y a certaines couleurs aussi que vous pouvez privilégier à ce moment-là. Donc peut-être c'est comme un orage électrique. Ben, c'est plus foncé, donc ça va encore plus, ça va bien. Moi j'ai agencé un pantalon ce matin. Tu sais, ce que tu me disais là, fait que j'ai mis un pantalon taille haute pour balancer mon pied un peu palazzo. Oui. C'est pour faire un. Je sais pas si des fois tu pourrais faire juste une petite manche plus trois quarts, ça réellement peut-être. Peut-être qu'on pourrait, tu sais, en faisant juste la manche trois quarts à ce moment-là. Ça vient donc éviter d'avoir toute l'ampleur au niveau des hanches. Ça peut dépendre de votre longueur de bras. Mais c'est juste la silhouette à faire attention. À ce moment-là, c'est les autres, tu vois. C'est libre, on va dire. Puis là, ben, on profite donc nos couleurs, donc les quatre nouvelles couleurs qui sont présentées dans le magazine sont maintenant disponibles sur la Nueva. Donc, le orage électrique qu'on avait depuis un petit bout et on a enfin réussi à faire une belle couleur foncée sur cette base. Magnifique. Ouais. Parce qu'on avait la noir, on n'était pas capable. Il y a des couleurs foncées qui sont difficiles. L'orage électrique, tu m'as dit, elle a réussi bien. Tournesol, ça serait super beau. Tu sais, on pense pas, mais c'est beau. Vraiment. Flamant rose. Puis un petit peu plus. Pas cette année. Ouais. Mais tu sais, ça serait les belles couleurs. Il y a aussi des couleurs, le nono classique, bois d'épave, carmin, gris d'anticosti. La palette carpédia. Si vous êtes bleu, ça fait un peu... Ça, vous portez ça comme du jean, mais c'est un petit peu plus... C'est notre gris anticosti, ça. Gris anticosti, là, c'est magnifique. Oui, ils ont très bien sorti sur cette base-là. Alors, vraiment un super beau cardigan quand même. Je dirais un intermédiaire, on doit reprendre des manches après ça. Alors, ce que tu me disais aussi, pour la majorité des tailles, c'était comme... C'est 3 balles en général pour le 3 à... C'est sûr que si vous êtes 3, je vous le dis tout de suite. Comme nous, celui-là, je pense qu'on a fait le 3, si je ne me trompe pas. On n'a pas utilisé tant que ça, la troisième balle. Malheureusement, on ne pouvait pas, j'y ai pensé, mais on ne pouvait pas commencer à diviser les balles. Okay. À cause de la Nueva, les lots peuvent être, tu sais, on aurait trop de pertes. Par contre, si jamais vous avez un petit restant de Beluga, que vous êtes dans la restante, tout comme je pense qu'on a pris un 5 grammes, c'est pas 10, là. Mettons 10. Si vous avez un petit restant de Beluga, comme il n'y a pas vraiment un lot, vous pouvez peut-être vous en sortir avec une dalle de moins à ce moment-là. Parce que au niveau des lots du Beluga, il n'y a pas de problème. Mais les autres couleurs, malheureusement, ça se peut que si jamais vous commandez, ça se peut qu'on vous appelle et qu'on dit ah, on va le faire teindre parce qu'on n'a pas 3 balles. Parce que la Nueva se teint en groupe de 4. Mais ça, on est d'avant. Il faut toujours être terminé.
au changement de balle, c'est toujours un prérequis. Qui? Mais c'est sûr qu'on nous envoie des balles les plus pareilles. Ouais. Si elles sont trop différentes, à un moment donné, ça ne peut pas être terni. Tu ne veux pas avoir quatre couleurs. Quand on tricote les laines teint à la main, il faut s'y attendre. Oui, oui. C'est connu. C'est ça. Mais vous êtes obligé, quand c'est des couleurs unies, c'est pas comme des laines panachées. Vous n'avez pas à alterner tout le long de votre projet. Moi, j'attends d'avoir une petite balle. De toute façon, on va vouloir changer de balle. À ce moment-là, moi, je commence à alterner. Ça m'empêche aussi d'avoir deux fils au même endroit. Oui. Puis, tu sais, je le fais, puis ensuite, mon balle finit, puis après ça, je continue. Donc, ça fait juste une petite transition. T'alternes, mettons, quand tu tresses, je sais pas, le 9e de ta balle, puis t'alternes avec le début, ouais. Puis là, tu finis ta balle, puis tu continues. Si tu l'as, ça fait une transition, comme tu dis, le bon mot. Une belle transition. Oui. Ouais, ça fait des goûts, en plus. Faut pas juste désactiver ça. Les petits points de pouce. Ah, quand tu fais, ça apparaît pas, puis quand on fait d'autres choses, il apparaît. C'est magnifique. Fait que, ouais. Tu vois, super. Merci. Beau projet. Hey! Oui. Bye bye. Fait que voilà. Beau projet, donc un chat, donc Sylvie, pas nouveau, mais Sylvie, pas vendu, je sais pas. Elle est tombée, ben, j'ai pas vu ça passer, ce chat-là. Donc, ici, qui travaille beaucoup la sèvrerie, donc le Bohemian Charles qu'elle a fait, donc on en parle dans le film, qui est un de ses chars les favoris, qui est en sèvrerie 1, et celui-là est en sèvrerie 2. Magnifique. Bonjour. J'arrive ici, là? Oui. Okay. Non, non, il est en avant. Ah, il est en avant. Ouais, ouais, c'est... Merci. Excusez. Donc, voilà. Fait que ici, il y a deux couleurs. Ici, noir et blanc, donc toujours un classique. Puis au niveau des points, donc on est vraiment en jersey, mais c'est ce petit point-là qui est le fun. Si vous avez participé là, au Cal Solarita, ça y a un point qui ressemblait, donc c'est quand même très fun à faire. Avec une belle bordure. Donc ça, c'est le rabattage avec Pico. Puis elle a rajouté des petits pompons de l'autre côté. Donc, ça fait comme la continuité. C'est un beau format. C'est généreux. Il se porte super bien. Donc, vous irez voir les photos de Sylvie. Elle le porte de différentes manières. Puis, il est vraiment agréable. Donc, ça, c'est un beau châle. Donc, la sèvrerie qui est en coton et 15% de bébé alpaga. Donc, un beau châle printemps-été. Puis en sèvrerie 2, donc ça se tricote quand même plus lourd ses yeux, donc ça se fait quand même pas trop, assez rapidement. Puis pas trop compliqué non plus, puis mais pas plate en plus. Donc différentes façons. Quoi d'autre? Toi, tu le mettrais comment, Alice? Ben, je fais deux. Moi, j'ai un peu comme Sylvie. Ouais, tout, mettons. Un peu. Rabougri, a-t-il? Oui. Un peu colle. Ah, mais il te fait bien à toi. Oui. Mais il est léger, c'est ça que j'aime. Des fois, moi, j'ai peur des châles en laine plus grosse que Pinkberry. Puis, dans ce cas-ci, je trouve qu'il n'est pas massif. Des fois, tu fais comme. J'ai l'impression d'avoir un mouton autour du cou, mais ici, super confortable, très agréable. Je peux même avoir un petit détail. Ouais. Une forme qui est facile à porter. Super. Hein? Très beau. Fait vraiment des beaux designs. Ok, on dirait que c'est un ladon. Il me semble que la dernière fois aussi, c'est moi qui l'ai présenté, celui que tu as fait en Syrie. Ouais. Oui. Cute. Super beau. Donc, un autre beau projet. Est-ce qu'il y a des questions ou. Non. Tu n'as pas rien dit. J'ai répondu, c'était lequel char, mais. Ma réponse, ah, il s'appelle. Comment il s'appelle? Keep Me Charles. Par Lucie Paquet. Donc, celui-là, donc, designer québécoise, donc patron disponible français et anglais. Donc, sans problème. Puis, je vous montre les kits qu'on a fait. Donc, ça, là, il y a le noir et blanc. Fait qu'on a toujours fait j'ai fait plutôt un neutre avec une couleur pour faire un peu dans le même style. Donc, gris pâle et un bleu.
Celle-là, moi, je l'aimerais beaucoup. Donc, plus terre, marzipan et je l'appelle mocha. Donc, la Savory 2, je vois une question, on la tient à l'année. Là, celui-là, je pense qu'il n'est plus disponible, mais vous pouvez mettre votre nom, puis je verrai si on peut le mettre en précommande, donc gris et vert. Et on a charcoal et patch. Patch, pardon. C'est juste celui-là, si vous demandez pourquoi il est plus cher que les autres, c'est parce que les naturels qui n'ont pas de teinture sont moins dispendieuses, tandis que les deux ici ont une teinture. Donc, ça fait une petite différence dans le prix. Voilà, des magnifiques couleurs. Sinon, on a beaucoup de choses qui sont en retour en stock. On a reçu des cleaners avec les boules de sécheuse, si jamais vous aimez ça. Donc, c'est toujours pratique. Puis, hier, on a reçu à nouveau donc, les petits paniers, qui est comme le sac favori. Donc, dans les deux couleurs. Ici, ben, je vous le montre. Si jamais, des fois, il est fun pour les tricots, mais moi, je le trouve très pratique. Pour la couture, donc ciseaux, crayons, règles, alors bonnette, donc moi je m'en sers comme poubelle à fil au milieu. Puis aussi, ben, tout votre petit décousseur, si jamais c'est quelque chose dont vous avez besoin, on a reçu ceux-là de Katia. Donc ils sont perméables. Et ici avec un petit bout en caoutchouc, parce qu'une fois qu'on vient de découdre, il reste des petits fils, donc ça, on gratte comme ça, puis ça enlève tout le surplus. Donc, il est utile à tout, à toutes les sauces. Désolé, je suis leur écran. Donc, il est autant intéressant pour la tricoteuse, la couturière, la brodeuse. Donc, c'est vraiment un beau petit sac à avoir, donc pratique à avoir à côté de soi, qui nous permet d'avoir tous nos outils à portée de main. Fait que voilà, ça a été un petit direct rapide. Moi, j'ai rien d'autre. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, c'était la Savory, la composition de la Savory. Savory 2, rappelle... 85 coton, 15% bébé alpaca. Donc, oui. Ça ramène une petite douceur. Puis, c'est un fil qui est fait comme une chambre. Oui, une proche. Chaînette. Il est une chaînette. Des fois, il y en a qui n'aiment pas tant la texture, mais quand c'est tricoté, on ne le voit pas. Ah, c'est... Mais la chaînette, qu'est-ce qui est intéressant, surtout avec le coton, c'est que ça vient, c'est comme si le milieu c'est de l'air, donc ça amène beaucoup de légèreté. Parce que le coton... Tu peux pas piquer à travers ton bras. C'est ça. Ta mère est toujours belle. Puis le coton, il serait lourd sinon. Fait que ça lui donne une belle texture. Mm-hmm. J'avais juste un petit ajout. Moi, tu sais, je travaille à la boutique, et puis on bobine de ce temps-là beaucoup de votre coup de cœur, la fibre Oasis. Puis je voulais juste dire, tu sais, c'est nous qui bobine majoritairement, puis moi et mes collègues. Puis c'est une fibre qui glisse, donc vos balles sont pas tout à fait parfaites, mais on essaye de toute notre... Oh, mais ils sont pas mêlés. Ils sont pas mêlés. C'est ça, on fera jamais ça. C'est sûr que des fois, ils n'ont pas le cake non, ça. Mais partez-les de l'extérieur, à ce moment-là, c'est plus sécure. Mais on pense à vous. On met un petit mot. Oui! Donc, on travaille bien fort pour faire des beaux cakes, là, mais dans ce cas-ci, c'est spécial. Oui, oui. C'est juste mon ajout, puis c'est... Mais je l'ai retenu hier, puis je l'ai pris trois fois. Puis plus on apprend, plus ça glisse. Puis bon, fait, des fois, là, vous allez avoir un petit cake moins parfait. Fait que c'est ça. Je pense que j'en ai deux balles chez moi que j'en fais parce que je suis pas trop... Hein. Parfait, parfait. Oui. Fait que là-dessus, on se souhaite une belle journée, belle fin de semaine. Donc, on est là pour vous aider si vous avez des questions. Appelez. Ah, n'oubliez pas le gal qui s'en vient bientôt. Là. Oui. C'est la folie furieuse. Oui, le gal. Donc, mardi, il y aura une belle vidéo.